Alors souvent le matin, on se réveille et c'est le réveil qui sonne et directement on va se lever, on va commencer nos activités, mais on ne prend aucun moment pour prendre soin d'abord de son corps. Au mieux, on va se laver le visage, au mieux, on va se laver les dents, mais par contre, de prendre soin de tout notre corps et de lui permettre de se réveiller, ben, c'est très rare. Donc l'idée là, c'est en même pas 5 minutes de prendre un moment pour pouvoir vraiment redynamiser notre corps et nous faire du bien. Donc pour commencer, on ferme les yeux et on va prendre juste 3 respirations profondes. On lève les bras, on s'étire, on s'agrandit, expire, on relâche. À nouveau, on étire, on va chercher le plafond, on va chercher le ciel. Encore une fois. Et on relâche. Et on va détendre les articulations d'abord cervicales en faisant des cercles. Au fur et à mesure, on agrandit le cercle. Et on peut changer de sens. Vers la gauche, vers l'arrière, à droite, vers l'avant. On cherche à détendre les trapèzes, nuque. Et une dernière fois. Puis on redresse délicatement. On plie un peu les jambes et on va détendre les épaules. Et juste, on va lancer les bras vers l'avant et vers l'arrière. Et ensuite, on regarde la main qui va vers l'arrière. Permet une petite torsion de réveiller un peu le haut du dos, les épaules. Super, relâche. Secoue les bras et mains. Arrête de se réveiller. Et ensuite, on fait des grands mouvements avec les épaules et les bras. On respire, change de sens. Quand on monte les bras, on inspire, expire, on relâche. Amène les coudes près du corps et on fait des cercles avec les avant-bras, ça détend les coudes. Tout aussi important, hein, c'est une articulation qu'on n'utilise pas vraiment, alors qu'elle est toujours présente. Et ensuite, on peut faire poignet. Et aussi les doigts, à force de pianoter avec le téléphone. Et vraiment, c'est important de pouvoir détendre et on secoue à nouveau. Ensuite, on vient au niveau du bassin et on fait mouvement, cercle avec le bassin, ça permet de détendre ben, tout le bas de la colonne vertébrale, massage de l'abdomen. C'est important parce que ça nous aide hein, le matin à aller améliorer le transit et à bien commencer la journée. Et là, et ensuite on écarte un peu les jambes et on fait un mouvement qui est simple mais qui va nous permettre de travailler toutes les articulations, les hanches, les genoux et les chevilles. On n'oublie pas le sourire, c'est bien de commencer la journée avec le sourire. On le fait dans l'autre sens. Redresse et on relâche un peu les jambes vers l'avant, sur le côté et aussi vers l'arrière. Ça permet vraiment de lâcher toutes les tensions du corps. Et ensuite, on va commencer à sauter un peu. Ça permet de relâcher un peu en tous les sens. À nouveau, on bouge un peu la tête. On a besoin de réveiller, de lâcher les tensions de la journée. Et on se pose. Là, au moment où on se pose, où vraiment on va sentir que le corps tout entier va se relâcher. On respire profondément. Et on va s'inspirer, pas forcément de Nej Marrakech, même si on l'appelle de Kamrakchia, mais de Zel Tseroudent. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en tapant des mains, ça nous permet vraiment de nous donner de l'énergie, de nous régénérer. Alors vraiment, juste taper des mains, un peu n'importe comment, et ça permet de sentir une chaleur dans le corps, de retrouver notre énergie. Et voilà, on est prêt pour une belle journée. Bonne journée !